il ne s'y attendait pas. Jean-Jacques Bourdin est dans la tourmente depuis que Le Parisien a relayé le témoignage d'une journaliste l'accusant de tentative d'agression sexuelle. Des faits qui se seraient déroulés il y a 19 ans et le présentateur fait l'objet d'une plainte et d'une enquête interne au sein de BFM TV et de RMC. Le journal a expliqué, ce jour, qu'une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle a été ouverte par le parquet de Paris. Des accusations qui sont prises très au sérieux. La victime présumée est une ancienne journaliste de BFM TV et RMC qui était âgée de 25 ans au moment des faits. Concernant les faits, elle a assuré que ceux-ci se sont déroulés en 2013 au bord d'une piscine d'un hôtel lors d'un voyage de presse en Corse. Elle a précisé que Jean-Jacques Bourdin aurait tenté de l'embrasser de force. Dans les colonnes du média, elle a expliqué pourquoi elle a souhaité sortir du silence. Je ne suis plus une jeune journaliste effrayée de perdre mon poste et je sais que je n'avais pas à subir ce que j'ai subi, a-t-elle assuré avant d'ajouter, aujourd'hui, je suis rangée, apaisée. Mais pendant des années, je suis allée travailler avec la peur au ventre, complètement stressée. Par la suite, elle a déclaré avoir reçu des mails et SMS incessants de Jean-Jacques Bourdin durant les mois qui ont suivi. Des accusations prises au sérieux. Suite à ces révélations, le groupe Altice Media, propriétaire de RMC et BFM TV, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour s'assurer qu'aucun fait de ce type n'a été porté à la connaissance des managers ou collègues des intéressés, plaignant et mis en cause, affirme Le Parisien. De son côté, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, a d'abord déclaré, il n'y a rien qui empêche Jean-Jacques Bourdin de faire son travail. Il a toutefois ensuite précisé, nous ne minimisons pas cette accusation ni lui donnons une dimension disproportionnée. De même pour les SDJ de BFM TV, RMC et RMC Sport qui se sont interrogés sur la pertinence du maintien à l'antenne de Jean-Jacques Bourdin le temps de l'enquête. Si ces accusations ont surpris certains journalistes, il est hors de question de ne pas les prendre au sérieux. On va suivre, avec la plus grande attention, les éventuels développements de cette affaire et prendre toutes les mesures qui pourraient s'imposer en fonction de son évolution, a déclaré le groupe Altice Media. Pour l'heure, Jean-Jacques Bourdin reste présumé innocent. Jean-Jacques Bourdin, a-t-il répondu à ces accusations? Rapidement, si est-il le principal concerné qui a pris la parole? Je connais cette personne, et j'ai travaillé avec elle. Je reconnais m'être baigné avec elle dans la piscine de cet hôtel, a-t-il d'abord déclaré. Par la suite, il a fermement nié les faits qui lui sont reprochés. Mais je n'ai jamais tenté de l'embrasser de force, ni elle, ni jamais personne d'autre, a-t-il affirmé. Il a également pu compter sur le soutien de son épouse, Anne Niva. Jean-Jacques et moi, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime donc je ne révélerai pas leur teneur à qui que ce soit publiquement pour alimenter le buzz médiatique, a-t-elle affirmé sur l'antenne de l'Instant M. Loading Widget.